Danyoko Souleymane est cordonnier. Ce père de 4 enfants, handicapé physique, ne perd pas espoir. Tous les matins, dès 7h30, il est à son poste à la recherche de son pain quotidien. Je me debout ici, faire la cordonnerie un peu plus. Pour un handicapé, si tu n'es pas un gars qui est courageux, tu ne peux pas t'en sortir. Hein. Puisque, tu vois, qui va t'encourager? Si il prend le courage à faire quelque chose, il va oublier son côté handicap. Puisque la différence, c'est quoi? Puisque l'autre, il peut se déplacer facilement, toi, tu ne peux pas. Tous ceux qui sont infirmes comme moi, ils n'ont qu'à essayer de travailler aussi. Toi et moi, nous sommes pareils. Plus de 650 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, selon l'UNICEF, vivent avec un handicap. Pour certains observateurs, ces handicapés ont juste besoin d'être encadrés. Il ne faudrait pas qu'ils soient exclus de la société. On voit les handicapés qui ne sont pas de ce monde, ils sont délaissés. Je pense qu'il faut les encourager. Voilà un tel monsieur, en organisant son local, il va beaucoup apporter aussi. Une journée internationale est donc dédiée aux handicapés. Elle est célébrée le 3 décembre de chaque année. Le thème choisi pour 2013, briser les barrières, ouvrir les portes pour une société inclusive pour tous. Occasion donc de sensibiliser les populations à les accepter malgré leur handicap.